l'idée de ce festival, c'est que chaque année, je fais partie des gens du jury des écoles d'animation. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait un tel niveau que ça méritait de montrer le savoir-faire des écoles françaises. C'est très bien d'avoir organisé avec un metteur en scène comme Claude Lelouch dans les lieux qu'il nous prête. Cette maison du cinéma, eh bien, depuis presque 50 ans maintenant, a reçu ici Chaplin, Orson Welles, Abel Gance, Jacques Tati, Scorsese, Coppola. Enfin, je peux dire que tous les cinéastes du monde entier sont venus ici présenter leurs films, et peut-être le plus illustre de tous, Stanley Kubrick, qui voulait absolument que toutes les projections de ses films aient lieu dans cette salle. Dans cette section. J'ai trouvé que c'était un beau panel de ce que peut représenter le film d'animation. Je suis frappé moi aussi par la qualité des 13 films qu'on a eu à voir. Et sur certains films, il y avait un très grand travail d'écriture. J'ai trouvé les propos aussi très intéressants, liés à des problématiques actuelles. Humaniste aussi, ce que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il y a un fond. C'est extraordinaire aujourd'hui, les talents et le patrimoine qu'on a aujourd'hui en France. Nous qui sommes à l'ESMA, on est vraiment habitués à ce style ESMA et ça nous fait plaisir de voir vraiment ce qui sort de toutes les autres écoles. C'est très bien qu'il y ait un festival où on puisse être au milieu des autres écoles. Un film suppose une quantité de métiers différents, et tous ces métiers sont ensemble et doivent être vraiment au top niveau pour arriver à un résultat global au top. On est très très impressionné par la qualité professionnelle de l'ensemble de la sélection. Tant au niveau des animations, des scénarios que de la touche artistique. Ça permet à des professionnels comme moi ou comme nous tous, en tout cas d'avoir accès à leurs travaux. Et je vous parle pas aussi des musiques qui sont souvent originales et qui collent parfaitement au discours. And I, you know, congratulate everybody for the great work, and believe me, I know how much work it is. Peut-être parce qu'ils sont justement pas dans le milieu professionnel, ils ont encore plus de liberté, et ça, je trouve qu'ils l'ont très bien exploité. J'espère juste qu'ils ne vont pas tous partir à l'étranger ou travailler sur des grosses productions comme des petites fourmis, mais qu'ils vont continuer à travailler dans l'artisanat de l'image. C'était difficile de les départager. Je trouve que ces élèves sont formidables et leur travail est remarquable. Et d'esthétique.